Oui, ben en fait, il faut mentionner que l'an passé, j'avais fait un peu l'exercice avec Time Maternité, oui. Parce que j'étais enceinte, même pas mal enceinte quand j'ai fait, oui, les photos l'an dernier. Puis on avait vraiment aimé notre collaboration. Dans le fond, c'est que eux, la collection d'automne était déjà créée. Mm-hmm. Puis c'était d'aller un peu fouiller dans cette collection-là, puis trouver, de faire des agencements, puis de donner ma touche à travers ça, de choisir 8 looks de l'automne qui vont être les looks que je vais proposer aux gens. Parce que des fois, enceinte, on a besoin de se sentir belle, mais on aime nos rondeurs, mais en même temps, c'est pas nécessairement comment les mettre en valeur. Fait que la collection le fait bien. Puis on peut être stylé tout en étant habillé confortable. Ben oui, même que j'ai demandé aux gens de Time s'il y avait des trucs que je pouvais même garder, même si je suis pas enceinte, parce qu'il y a vraiment des belles choses. Puis en fait, mes coups de cœur, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de morceaux. Tu sais, on a fait des agencements. Oui. Puis il y a des belles couleurs cet automne. Puis même que, quand il m'expliquait un peu la collection, j'ai vu que c'est inspiré de pierres précieuses. Donc les couleurs sont parties de ça. Donc, okay. Puis je trouve que ça donne du punch quand on est enceinte. Puis là, l'automne arrive, c'est important de se donner du teint aussi. Oui.